Pour 1987, c'est 3205 que Peugeot engage. Pour Vatanen, Zanussi et Meta. L'enjeu est de battre encore le vieux rival, Audi, qui remporte l'épreuve depuis 1985. Une nouvelle épreuve, on doit apprendre. On a en face de nous un adversaire de taille qu'on a souvent rencontré dans notre histoire championnat du monde, qui s'appelle Audi, avec Röhrl. Et Audi en est, je crois, à sa quatrième ou cinquième participation, a déjà gagné sur ce terrain, donc connaît bien. Alors que nous, eh bien, on a découvert des problèmes totalement différents de ce que nous avions pu rencontrer jusqu'à présent, notamment au niveau de la tenue de route de la voiture, de l'aérodynamique. Vous pouvez voir sur nos voitures des ailerons gigantesques et impressionnants. À l'avant également, il y a un appui aérodynamique qui a été rajouté, qui nous permettent de mieux faire appuyer la voiture et de manière à ce que la puissance au sol puisse passer et non laisser les roues patiner. De Turbo qui a cassé quelques kilomètres après le départ de la course de côte. Il a terminé à 7 secondes de Walter et c'est la course. C'est dommage.